Bonjour et bienvenue au podcast « Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? » Mon nom est Andréanne Deveau, je suis agente d'accompagnement pour Cosmos Matapédia et je suis avec ma co-animatrice. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, conseillère d'orientation au Centre Matapédien d'études collégiales. Et aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, il s'agit de M. Julien Véraud. Bonjour, bonjour. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va bien, vous deux? Ça va bien? Ça va bien, merci Julien. Quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Eh boy! Là, tu me demandes la question, puis je sais quoi te répondre, mais je savais pas quoi te répondre à l'époque. Non? Non. Julien, t'es un gars de la vallée? Oui. D'où tu viens? Je viens de Saint-Vianney, précisément, village, dans la Matapédia. Ouais. Puis, depuis toujours? Oui, depuis toujours. J'ai fait des escales, différentes escales dans ma vie, là, mais j'ai pas mal toujours été à Saint-Vianney. OK. Puis, tu veux-tu développer un petit peu? Quand t'as dit tantôt... Je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais grand. Oui, oui. Ben, tu veux que je parte de mon parcours? Ouais, s'il te plaît. Ben, c'est un parcours assez varié, là. Dans le fond, je suis parti du secondaire, bon élève, jamais de difficultés, là, un peu bolé, mais en sachant pas trop ce que je voulais faire, je voulais avoir le contact humain, puis après ça, ben, j'ai... Après le secondaire, ben en fait en secondaire 5, je me suis inscrit pour aller en travail social, en technique de travail social à Amqui. J'ai commencé par ça. J'ai fait, ça a été assez houleux. Ça a été les bonnes années, là, les années de cégep, là, un peu la dérape. T'en as profité! Ouais. La vie de collégien! Ouais. Puis après ça, ben ça a été direction Rimouski pour finir ça plus sérieusement. Au cégep à Rimouski. Ouais. OK. Ça t'a pris combien de temps, tes études en travail social? Dans le fond, j'avais étalé ça sur 4 ans quand j'étais à Amqui parce que ça allait pas très bien. Là. C'était houleux. Puis j'ai pris une année, lors de la grève, j'ai pris une année sabbatique pour travailler. Là. Il y a eu une grève? Oui. Et c'est à l'époque des carrés rouges. Ah oui, la fameuse grève. Je me souviens, mon Dieu, ça m'a remet. T'as-tu vécu ça professionnellement, toi? Non, pas professionnellement. J'étais à l'université, si je me souviens bien. Okay. À cette époque-là, ouais. Oh, les carrés rouges, souvenir d'une époque... Non, c'est pas vrai. L'austérité, là. Avec Philippe Couillard. Non, j'étais plus vieille que ça, j'étais rendue sur le marché du travail. Rendue sur le marché du travail. OK, fait que là, il y a eu la grève pendant que tu étais à Rimouski? Oui, c'est ça. Puis j'ai juste pris la décision de partir parce que ça me tentait pas de scraper ma session à rien faire là. Là-bas. Finalement, ben, ça a été encore une année assez houleuse, mais ça m'a permis de revenir en force là, quand ça a recommencé. Puis sinon, après ça, après le cégep, ben là, je me suis placé dans le domaine. J'ai essayé un peu plein de choses encore là dans le domaine. J'ai travaillé peut-être quoi 6 mois pour le centre jeunesse. En tant que technicien en travail social? Oui, à faire des contacts supervisés avec des parents, des familles. J'ai travaillé à Amqui puis Rivière-du-Loup dans ce domaine-là. Dans le fond, c'est là que la job me menait. Puis sinon, après ça, détester le cadre fermé du centre jeunesse, fait que je suis parti faire du travail de rue, je suis revenu à Amqui. Dans le fond, je suis venu rester chez mes parents. J'ai parti de Rivière-du-Loup, je suis revenu chez mes parents. J'ai été un contrat complet, là, une saison comme travailleur de rue là, ici à Amqui pour Tremplin. Tremplin travail, palais de la Matapédia. Ouais. Fait que là, t'étais travailleur de rue, t'étais revenu dans ton... Ouais, c'est ça. Puis tu dis que c'était un cadre très strict au centre jeunesse. Raconte donc un petit peu, justement, là, comment que ça se passait, là. Dans le fond, c'est que c'est pas bien, ben, personnellement, là, moi, je suis pas fait pour vivre dans un cadre très serré comme le centre jeunesse, là. Okay. C'est gouvernemental, t'as des échéances précises, t'as un cadre précis avec lequel travailler, t'as pas de place à la liberté, puis à... Mm-hmm. C'est ça, moi je suis une personne qui a soif de liberté puis de créativité, fait que c'était pas pour moi. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu finissais ton deck en travail social, non, que ça allait ressembler à ça, ou tu pensais justement avoir un petit peu plus de liberté dans... Ben, on se le faisait dire, c'est juste que c'est tellement... je veux dire... Peu importe le cours que tu fais, je pense que c'est des passionnés qui te le présentent, le cours, puis c'est toujours valorisé, puis un peu mis sur un piédestal, je pense. Là. Mm-hmm. Je crois pas que ça convienne, puis que ce soit la réalité non plus. Là, en sortant, là, tu pognes 2 minutes quand tu sors. Ouais, c'est ça. Ben, la réalité, là, elle reste différente. Puis là, le travail de rue, dans le fond, comment est-ce que tu as trouvé ça au final? Génial. T'sais, ça laisse place à la liberté. Puis, t'as un contact direct, tu sais, c'est... Mais encore là, j'étais un peu un éternel insatisfait, c'est que c'était... Là, c'était pas assez cadré.
Mais tu sais, sur le moment, ça m'a plu. Là, c'était, j'ai fait des belles rencontres, j'ai découvert d'autres valeurs que je, tu sais, dans le fond, que j'avais, mais que j'étais pas tant au courant, que j'avais pas vraiment expérimenté. Tu sais, j'ai justement les valeurs de liberté, de justice sociale, puis tout ça, je l'ai toujours eu en moi, mais ça, au niveau du travail de rue, ça a été plus facile de pousser là-dedans, si on veut. Oui. Oh oui. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, t'es plus technicien en travail social. Non. Qu'est-ce qui est arrivé que t'as quitté le travail de rue? Trop de liberté, on n'entend pas ça souvent, mais c'est peut-être ça. Ben oui, mais en fait, ça n'a pas été... Ben, dans le fond, j'ai tombé sur le chômage parce que le contrat était à échéance. Puis ben là, j'ai pris mes clics, mes claques. Je me suis dit, là, je suis un adulte, je veux une famille, je veux une maison. J'ai, à travers tout ça, j'ai rencontré ma blonde aussi en 2016. Qu'on salue. Pas mal à la même époque. En fait, fin 2015, j'ai terminé mon contrat en travail de rue. 2016, j'ai rencontré ma blonde. OK. Puis là, t'as dit, Julien, tu travailleras pas où est-ce que tu travailles? Non, c'est pas ça. C'est moi qui... Tu sais, ça m'a rencontré ma blonde, ça m'a remis sur le droit chemin. Oh! Tes années de collège ça... t'ont suivi jusque ouais, sur ouais, le marché du travail? Ça m'a suivi jusqu'à 23, 24 ans, peut-être, là. OK, bref. Tu faisais le party? Ah oh, ouais. Ben, c'était moins pire, là, mais c'était quand même... c'était la vie d'adulte dans la vie de jeunesse dans une vie d'adulte, si on veut. Mm-hmm. Ouais? Oh, oui, écoute, t'es pas le premier. J'étais pas prêt, j'étais mêlé, je me connaissais pas, j'étais... Fait que c'était ça que je faisais à l'époque. Mais c'est ça. En rencontrant ma blonde, j'ai décidé, bon, je veux du matériel, je veux une maison, je veux ci, je veux ça. Fait que je me suis en allé... tu sais, j'ai déjà travaillé en usine comme étudiant, 6-7 ans aux cuisines gaspésiennes à Matane. Pour vrai? Ouais. Fait que j'adorais... Je savais que j'aimais la vie d'usine. Puis bref, je voulais faire de l'argent. Fait que je suis parti, j'ai appliqué chez Unibord, Banval pour les intimes. Puis j'ai été pris, puis j'ai fait 4 années complètes, là. Qu'est-ce que t'aimais de la vie d'usine? Tu peux-tu nous en parler? Parce que c'est pas tout le monde qui a expérimenté ça, là. Ben, en fait, c'est que t'as pas de... Je trouvais que j'avais pas de compte à rendre. Tu sais, je me mettais beaucoup de pression en travail social à l'image que tu projettes. Tu sais, t'es toujours un peu dans le négatif, un peu, avec les problèmes des gens. Puis là, ben là, ça me tentait juste de mettre la switch à off puis d'essayer d'autres choses. Puis me découvrir en même temps, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je me cherchais... Je me suis cherché longtemps parce que je pense que la vie a fait en sorte que la société, puis la vie, puis l'opinion de la famille, des proches, peu importe, ça m'a poussé vers le chemin tracé, mais moi, je suis vraiment pas fait pour le chemin tracé. Mais parlons de ça, justement, un peu. Toi, là, tu avais fait des études collégiales, vont travailler un petit peu là-dedans, puis après ça, passer vers un métier que, bon, ça demande pas nécessairement là, d'études en particulier. C'est comme tu étais manœuvre, dans le fond. DES. Ouais, c'est ça, un DES. Puis... Tu étais manœuvre? Oui, ben, dans le fond, j'ai commencé... ils appelaient ça journalier. Journalier, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai travaillé sur les machines de production. Là. J'ai été jusqu'à... être presque classeur, mais avec un poste classeur, mais j'opérais les machines aussi. Là, tu sais, je montais tranquillement, pas vite, les échelons. Là. OK. Est-ce, dans le fond, on peut dire... Ben, pas que tu étais surqualifié parce que t'as pas étudié dans ce domaine-là, mais tu avais un diplôme plus haut que tes collègues de travail. C'était-tu une problématique ou on te regardait-tu différemment à cause de ça? Pas vraiment, non. C'est juste que c'est un monde que j'avais pas connu. C'est un monde syndicaliste, là, les usines. Ouais. Pour celles qui le sont. Ça a été une autre leçon que j'ai appris dans ma jeune vie d'adulte. Là. C'est un monde en soi, ça aussi. Je suis une personne full. Je suis une personne vraiment hyper active. Ben, pas hyper active, c'est pas vrai. Je me considère comme vaillant. J'aime ça aller de l'avant. Ça me prend toujours un projet pour me driver. Fait que là, j'apprenais vite. Fait que des fois, ça peut amener des conflits parce que c'est comme un statut. Chacun a son statut, tu fais pas la job de l'autre. Bref, c'est ça que j'ai appris à travers ça. Oui, on observe ça, je pense, là, d'expérience et non de source sûre, que des fois, quand tu occupes un emploi qui est syndicalisé, il faut respecter un cadre en soi aussi, dans le sens où certaines tâches que tu pourrais faire et que tu aurais peut-être envie de faire ou que tu as envie de faire pour dépanner, tout simplement, tu ne peux pas, pour raison de sécurité ou pour raison aussi de chacun... Chacun son travail, puis on ne veut pas intervenir. Un grief n'attend pas l'eau. Ouais, ça. Ben, j'imagine que ça doit dépendre des milieux aussi. Oui. Tu vas avoir une usine qui va être syndiquée, puis que, bon, malgré tout, il y a plus de latitude aussi. Là. Mm-hmm. Ça va dépendre un peu. Puis les règles ont toujours une raison d'être. Là. C'est pas, je ne dis pas que ça n'a pas de raison d'être, mais c'est quelque chose que
on observer. On peut observer. On peut observer. Ben, en soi, c'était pas négatif. Tu sais, c'est une belle expérience. Ça m'a permis d'acquérir ma maison, tu sais, de vraiment m'établir plus dans ma vie rangée d'adulte sérieux. Mm-hmm. Puis j'ai rencontré plein de gens aussi. Tu sais, j'ai fait des belles rencontres. C'est encore des amis. Tu sais, puis ça se veut pas. C'est un peu du PR pour... Du PR, comment on dit ça en français, je ne sais pas. Là, relations publiques. Des relations publiques pour... Ça a élargi mes horizons, c'est ça. Ça m'a donné des contacts aussi pour la future entreprise que présentement je veux. Oui, parce que là, ton parcours n'est pas fini. Mais non. Avant qu'on continue sur ton chemin qui n'est pas linéaire... Pas du tout. Peux-tu nous expliquer... Puis je pense que Marlène, tu pourras me dire... Manon. Pardon, Marlène. J'imagine que ça diffère d'un endroit à l'autre, mais un journalier, là... Tu sais, journalier, tu penses peut-être des fois aux petits garçons qui lancent le journal en avant de la porte à l'époque où ça se faisait. Tu sais, c'est quoi un métier de journalier? Qu'est-ce que ça fait? Ben, à la base, c'est que c'est une personne qui va être amenée à faire toutes sortes de tâches différentes, généralement dans le domaine du manuel, mm-hmm. on va dire ça. Tu sais, puis c'est comme manœuvre, par exemple. On va appeler ça aussi manœuvre d'usine ou journalier d'usine. Donc, selon les besoins de l'usine ou selon les besoins de l'employeur, ben, il va dire, bon, ben voici cette semaine, ça, c'est ça, ton mandat. Puis, ça peut varier d'une semaine à l'autre. Dans le fond, ce qui est bien établi quand tu rentres chez Uniball, ben c'était t'as différents secteurs. Moi, j'ai été comme sélectionné pour être à stratification, c'est faire le panneau mélamine, puis l'analyser, là, le classer. Puis dans le bas de l'échelle, ben t'as aussi le manœuvre journalier qui travaille au strat. Dans le fond, il est affairé à faire à nettoyer le plancher puis le dessous des presses, remplacer les briques des gars. C'est important de nettoyer le plancher parce qu'il y a des risques importants d'incendie dans une usine de... Oh oui, puis tu sais, je veux dire, c'est comme primordial parce que sinon ça vient embourber puis ça vient aussi dangereux pour. Puis pas propre. Là. C'est une usine, mm-hmm. bref, c'est une usine qui est très propre là, pour le, mm-hmm. la job. Que, puis à quoi ça consiste. Là. Les tâches en tant que telles, les tâches manuelles, est-ce que le côté comme plus intellectuel du travail social, que ça te manquait à ce moment-là ou pas vraiment? Pas vraiment parce qu'il y a toujours. Tu sais, je veux dire, moi j'ai. Ce qui me drive dans la vie, en général, que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est vraiment comme la soif d'apprendre. Puis j'adore apprendre. J'étais un intellectuel, mais j'aime ça apprendre les métiers autant manuels. Tu sais, je veux dire, quand je me fais montrer quelque chose, je me donne à... J'étais un intense, là. Je me donne à 140%, puis je l'apprends, là. Fait que ça m'a permis de développer plein de capacités que j'avais pas. Là. OK. Est-ce que les gens venaient te parler de leurs problèmes durant la salle de pause, durant l'heure du dîner? Pas vraiment, parce que c'est une usine plutôt macho, mais tu sais, je veux dire, oui, je suis quelqu'un qui attire la confiance naturellement. Là. J'ai un charisme que je connaissais pas, puis que je vais chercher la confiance des gens facilement, mais pourquoi, je le sais pas. C'est pas... C'est peut-être un talent naturel. Ouais. C'est peut-être quelque chose. Ça fait partie de moi, là. C'est ma vie, c'est moi. C'est... Je suis moi. Puis là, t'as fait combien d'années à Penval déjà? 4 ans. 4 ans. Pourquoi t'es plus à Penval? Parce que j'ai voulu la pas du game attirer, puis la monotonie encore là. Tu sais, je veux dire, ça faisait 4 ans que j'étais rangé, que j'avais l'impression de m'abrutir puis de stagner là, dans un corps, puis j'avais l'impression de rentrer là puis faire de la prison. Là. C'était plus un défi, là. Non, c'était plus un défi. J'avais plus l'impression d'apprendre. Il y avait plein de choses à apprendre encore, mais j'ai remis ma vie en perspective, tu sais, parce que là, c'était plus sérieux que vraiment juste essayer des affaires. Là. J'ai remis ma vie en perspective. J'étais pas heureux. Là. T'avais quel tout. Âge? C'est bon, c'était en 2000. J'avais quoi, 28 ans, je pense? 28 ou 29 ans. Hein, en tout cas. Okay. Puis c'est ça, je suis parti. La pas du game a attiré à Fermont, qui est encore une usine. Soif d'apprendre, j'ai appris plein de choses, mais je me suis rendu compte au bout de 2 ou 3 runs que de 14 jours. La première run, 21 jours, puis l'autre 14 jours, que si je restais en usine, j'allais être malheureux toute ma vie. Fermont, j'imagine, dans le nord, dans les mines? Oui, ben c'est ça, c'était à l'usine de minerai de fer là, pour au lac Bloom à Fermont. Au lac Bloom. Donc, quand tu dis run, c'est tu pars 14 jours. Tu reviens 14 jours à la maison en congé, tu repars un autre 14 jours, tu reviens, c'est ça une run. C'est ça. Okay. Une run, c'est comme un mois. Complet. Transporté en avion, j'imagine. Oui, à partir de Mont-Joli. Oui. Puis ça, comment c'était ça sur la vie de famille? Ouais, ben, t'avais-tu un enfant à ce moment-là? Ben, ou, c'est ça, ça a été mon gros questionnement. C'est que je me suis dit... je voyais ma blonde qui pleurait quand je partais, ça me tentait pas trop, j'étais là-bas, j'étais mal à l'aise. Mm.
non, je me suis dit, c'est bien beau l'argent, là, mais... Il n'y a pas de choses sur je veux une famille, tu sais. Le but, c'est d'avoir une famille, puis l'usine, ben, tu sais, oui, ça m'a appris plein de choses. Je me sers beaucoup du positif dans mes expériences, mais, tu sais, je veux dire, à la base, quand j'ai quitté tous mes emplois que j'ai quittés ou que j'ai changé de branche et que j'étais pas heureux, mm-hmm. je me cherchais encore. Mm-hmm. Puis c'est ça qui t'a poussé à arrêter les runs à Fermont, en sachant que, OK, dans la vie, j'aimerais ça avoir une famille, puis je suis pas sûre, finalement, que Fermont va me permettre de vivre la vie de famille que j'imaginais. C'est ça. Puis ça a été vraiment comme un... Ça a été comme une révélation. C'était pas une révélation, c'était un choix que j'ai fait. Là. J'étais malheureux, fait que j'ai juste... Je suis décollé, je suis parti de là, j'ai appliqué dans quelque chose qui me passionne, parce que je me suis dit, au moins, en attendant de savoir ce que je veux vraiment, je vais triper, là. Je vais aller faire ce que j'aime. C'est quoi? Et je suis allé guider à la chasse à l'Orignal, sa réserve faunique de Matane. Wow! Un chasseur. Ouais, ben, passionné de chasse, là. Vraiment, c'est ma vie, la chasse. Là. Tu fais ça depuis longtemps? Ouais, depuis que je suis tout petit, là. J'avais pas l'âge de chasser, puis j'allais dans le bois avec mon père pour préparer les salines, puis les... Mais bref, j'ai vécu ma passion 2 ans de temps, puis ça a été les plus belles années de ma vie. Là. Ça a été pas au niveau monétaire, bien ouais. honnêtement. Là, mais c'était ça a été... pas payant? Ben, c'est parce que c'est pas long. Là. C'est pas à l'année, tu fais du chômage. Pis... OK. Ouais, parle-nous donc de ça, là. Guide de chasse, comment ouais. on appelle ça? Guide de chasse pour ouais. la réserve. C'est saisonnier? Oui, ben en fait, le premier coup, j'ai juste été guide à titre. Puis la deuxième année, j'ai fait du préposé aussi. Là. J'ai préparé du terrain, j'ai fait de la débroussailleuse. J'étais bon, tu sais, je travaillais dans la forêt, puis j'étais vraiment bien. C'était passionnel. Mm-hmm. Je savais que c'était temporaire. Sauf que ça, je me suis dit, je vais me trouver là-dedans en faisant ce que j'aime. J'ai déjà acquéri plein de compétences, puis d'expériences différentes, négatives ou positives. Fait que je me suis dit, je vais juste triper, puis le reste va suivre. Là. Puis là, comme guide de chasse, t'allais chercher le côté social que tu avais... Ouais. Ah oui, avec comment tout? Ça? Ben parce que moi, je t'imaginais... Avec la clientèle. Ah, mais sûr, mais moi, je t'imaginais toute seule dans le bois, là, en train de préparer le terrain, puis... Non, quand t'es guide, c'est ça qui t'accompagne le client dans sa chasse. C'est comme si c'était ta chasse, mais c'est la sienne. Fait que tu tentes le terrain au début, t'as ses exigences à lui, il paye des gros montants pour être là. Fait que... Avec des clients qui vont dans le bois, puis tu leur expliques comment ça fonctionne. C'est ça, je lui transmets ma passion, puis j'ai bien vu que... Service à la clientèle, c'était une de mes superbes de grosses forces. Puis j'avais des bons feedbacks, puis je trippais à le faire aussi. Fait que ça. Mm-hmm. Puis c'est ça. J'étais toujours en train. Ma partie préférée de la chasse, c'est un peu trash. Là. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est préparer la viande, écorcher la bête, là, enlever la peau, vider ça, sortir ça du bois, mettre ça à la chambre froide. Fait que... Si tu réussis pas ta chasse, ben t'as pas cette étape-là c'est non ça. Plus. Ouais. Comme... Et c'est ça. Ça a été 2 belles années. J'ai trippé, j'ai eu mon bébé à travers de ça. Okay. Pendant que t'étais encore... Ben, elle tombait enceinte pendant que j'étais là, la deuxième année. C'est okay. qui le patron pour travailler dans le bois? Quand tu veux travailler dans le bois, comme tu le fais? C'était la CEPAC, là. C'est la Société CEPAC. De gestion, Société d'établissement de plein air du Québec. OK, okay. Fait que c'est le patron de... C'est ça, c'est la CEPAC. C'est une grosse instance gouvernementale. C'est partout au Québec? Ouais. OK. Ça t'a fait une pas pire drop de salaire, on pourrait dire, ouais, de partir de Fermont drop, ouais. à là. Ouais, c'est ça. Ça a été comment gérer ça? avec ta blonde puis tout ça, ça a-tu été dur? Ouais? C'est ça, j'ai été chanceux. Je veux dire, ma blonde, Sabrina, elle m'a toujours appuyé dans mes projets. Là, pis, tout ce qu'elle veut, c'est que je sois heureux. Elle voyait bien que j'étais malheureux. Pis, ça a juste eu du positif dans notre vie de couple, de famille. Pis ouais. Oui, le salaire, mais au final... Elle t'a soutenu dans ton choix. C'est ça. Puis elle savait que c'était temporaire puis que j'allais faire de quoi éventuellement. Donc, mm-hmm. De quoi d'autre aussi? Parce que j'ai toujours eu la drive entrepreneuriale. J'ai toujours voulu être mon propre patron. C'est un peu ça qui me faisait aussi sortir des cordes. C'est que je suis dur à gérer. Je suis pas... Je suis un très bon employé, là, mm-hmm. mais j'aime pas ça me faire gérer. Puis j'aime ça avoir des projets puis avoir de la liberté dans ce que je décide de faire. Oui. C'est ça. Avoir la possibilité d'utiliser ton initiative, par exemple. C'est ça. Puis, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, être maître de mes propres décisions puis de vivre avec les conséquences, que ce soit positif ou négatif, tu sais. Mm-hmm. De pas être le subir les échecs ou les réussites des autres, mais d'être le propre maître de ma vie, là, tu sais. Mm-hmm. Professionnel puis familial, puis peu importe, là. J'ai toujours été comme ça. Fait que là, t'es parti de guide de chasse où est-ce que, ben, il fallait que tu fasses une espèce de prédébutage? Je sais pas trop comment on appelle ça, ou si on veut. Dans le fond, c'est que...
j'enlevais le filet mignon pour les clients, ouais. Je sortais le cœur, tu sais, en tout cas, bref. Puis là, tu t'es dit, c'est-tu là que tu t'es dit que tu allais partir de ton entreprise? Ben, comment les deux fait? Années que j'étais là, ça me trottait dans la tête de faire du débitage. Là. Ben, j'ai toujours trippé là-dessus, puis j'ai suivi des formations en ligne. Tu sais, j'étais un autodidacte pas mal. Avec YouTube, tu fais plein de choses. Puis tu sais, c'est ça. Puis j'ai soif d'apprendre. Fait que je me suis pratiqué pendant 2 ans de temps. J'ai fait mes ours, mon chevreuil. Je checkais des techniques. J'ai fait mon cours du MAPAC. Tu sais, je préparais ça faisait un bout, mais j'avais pas le guts de le faire. Tu sais, c'est des gros investissements, puis des gros... c'est un gros move, mais en même temps, je me suis dit, tu sais, je tangerais pas toute ma vie à faire du chômage 8 mois par année. Puis tu sais, j'ai pris les décisions pour moi puis pour ma famille aussi. Je me suis dit, au moins, je vais léguer quelque chose à mes enfants. C'est dur les 3 à 5 premières années, c'est plus difficile parce qu'il y a de l'investissement au départ, mais... Ça peut faire peur, là. Ouais, mais... Finalement, mais finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. On dirait que mon chemin était destiné pour se rendre là. C'est juste qu'il fallait que j'essaye plein de choses pour acquérir des connaissances puis des... vraiment me connaître, là, vraiment juste... savoir ce qui me rend heureux puis pas, parce qu'au final, ben, je pense que le but dans la vie, c'est ça, c'est d'être heureux. C'est bien beau travailler, mais on travaille toute notre vie. Fait que c'est important d'être heureux dans ce qu'on fait, puis de le vivre comme si c'était pas une job. Mm-hmm. Fait que là, t'es propriétaire du centre de débitage. Oui, le centre de débitage viennois à Saint-Vianney. À Saint-Vianney, puis à ce que j'ai entendu dire, la business va bien, là. T'as de la demande, t'as de la clientèle. Ben oui, ça va bien. C'est sûr que c'est l'autre défi, comme j'expliquais, là. Les 5 premières années, c'est des gros investissements. Fait que... je me mets pas riche avec ça, c'est pas vrai. Là. Faut enlever la pensée magique que l'entrepreneuriat, tu commences, tu fais de l'argent, pique-pauvre, puis tout est merveilleux. C'est pas comme ça. Non, pas du tout. C'est comment? C'est difficile. Faut que tu comptes, faut que tu sois à ton affaire, mais faut, tu sais, comme là, je vois juste le positif parce que d'année en année, ça fait juste augmenter. Là, c'est, la clientèle se développe, notre expertise est meilleure. Tu sais, on est reconnu. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis les échéances de terme arrive à leur fin, fait que, ben, arrive à leur fin, pas encore, mais ça avance, là. Fait ça que avance. Le futur est positif. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit difficile au départ? Ah oui. Ouais, tu savais déjà un peu, là, ouais. Je savais pas à quel point, tu sais, je veux dire, c'est toujours des prédictions, dans le fond, quand tu pars en comme entrepreneur, tu fais un plan d'affaires, ainsi, un ça, mais tu sais, c'est toutes des prévisions un peu biaisées par ton enthousiasme, mais aussi par le faut que tu prouves à des créanciers que tu peux faire de l'argent. T'es-tu fait t'aider un petit peu? Pour le plan d'affaires, oui, j'ai eu un modèle, si je me trompe pas, de... je veux pas dire de niaiserie, mais il me semble que c'est la SADC ou la MRC qui m'a donné un coup de main pour ça, pour vraiment... c'est la MRC, je crois, vraiment avec un plan de ce qu'ils voulaient, mais j'avais déjà fait mon plan avant. Là. OK. Je me suis affairé à faire ça quand j'avais du temps. Là. J'étais sur le chômage, puis le bébé venait de naître, fait que j'ai... préparer ça. J'ai clenché ça, ouais. OK. Ça a ouvert en quelle année? 2022. Le 16 mai 2022, la compagnie a été incorporée. Puis là, ben, ça va faire 2 ans le 16 mai cette année. On entreprend notre 3e saison là, à l'automne. Puis là, c'est parce que tu semblais dire tantôt que là, maintenant, tu travailles pas mal à l'année, mais il y a des périodes de rush. Oh, oui, des périodes mortes. Ouais. Comme des périodes mortes quand même. Tu sais, le mois de février, l'hiver, c'est difficile. Ouais. Il n'y a pas de demande, le monde sort des fêtes, le monde a moins d'argent pour consommer. Fait que... ouais. Mais sinon, tu sais, c'est je vous dirais que c'est vraiment là, ça décolle de la chasse, puis après ça, il y a la chasse à l'orignal, il y a la chasse à l'arc, il y a la chasse à la carabine, ensuite il y a le chevreuil, le bœuf rentre, le cochon, tu sais, puis là, au printemps, ça redécolle. Hein, c'est encore du bœuf, du cochon. Après ça, il va y avoir la chasse à l'ours. Il y a de la fabrication de saucisses à travers de ça. OK. Parce que, excuse-moi, moi, je suis pas dans la chasse du tout, du tout. Je connais pas ça, même si ça m'intéresse. Mais, fait que, tu as un centre de dépitage, dans le fond, c'est là où est-ce que les gens amènent leurs bêtes pour. Ben, qui sont prêtes à être débitées. On va dire ça. Sont mortes. Le fruit de la chasse. Ouais, c'est ça, le fruit de la chasse. Et puis là, bon, tu prépares la viande, mais la viande n'est pas juste pour le client. Dans le fond, elle est pour toi aussi. Moi. Non, elle est pour le client. Dans le fond, c'est un service de débitage, puis le service d'écorchage aussi. Les clients peuvent m'amener leur bête en entier. Moi, je fais enlever la peau par un employé ou quelqu'un qui m'aide, là, okay. Ou moi-même.
Puis ensuite, on l'entrepose dans une chambre froide, puis là, on fait les coupes avec nos feuilles de coupe, puisque selon ce que le client veut. Là. OK. C'est un service, vraiment. Là. C'est, OK. Je fais pas de vente au détail, je vends pas de viande. De toute façon, c'est pas le but. T'as pas un comptoir là, où on peut aller faire notre épicerie de viande? Non, puis de nos jours, de toute façon, c'est pas réaliste. Ben, pour l'instant, c'est pas réaliste. Là. T'sais, faut que je rentabilise ma bâtisse puis mon service avant. Okay. Puis, tu sais, la viande est chère de nos jours, fait que je suis pas sûr que c'est une bonne décision, là, mais... Okay. Le service, on en a besoin, il manque de place à l'orignal tout le temps là, pendant la chasse. Là, c'est un fléau. Tu sais, j'ai ciblé... Oui, avant, j'étais dans le monde de la chasse, beaucoup. Fait que j'ai ciblé le besoin pendant un bout. Puis là, j'ai fait comme... C'est le temps, il y en a qui ferment, il y en a... Tu sais, j'ai vraiment comme ciblé le bon timing, puis ça a bien été. Là. Ouais. Il y a un petit peu de chance au ouais, travail. Oui, il y a de la chance à travers tout ça. Ouais, c'est certain, il y a du travail, mais il y a de la chance. Mm. Hein. Puis j'ai la chance aussi d'avoir des, tu sais, deux bonnes employées. Là. Puis l'autre personne qui fait de la coupe avec moi, c'est mon bras droit. Là, est vraiment shout-out Nadine. On la salue. Christine aussi à l'emballage. Non, c'est ça. J'ai la chance d'avoir d'être bien entouré, tu sais, d'avoir une bonne famille. Mon père m'a aidé à décoller l'entreprise. Me prêter de l'argent pour les mises de fonds. Bref, tu sais, ça prend du travail, mais ça prend aussi de la chance dans la vie. Là, faut en être reconnaissant, je pense. Oui, vraiment. Puis commencer sur, d'être un employeur, de passer de du côté à « Ah, maintenant j'ai des employés, puis je dois gérer des employés. » Ben c'est une fierté, puis en même temps, je le vois pas comme une tâche. C'est comme j'ai ça facile, je veux dire, c'est... C'est pas vrai que c'est tout le temps facile, mais je parle. J'ai eu la chance de tomber sur des bons employés. Quand t'as des bons employés, il faut que tu les gardes. Ouais, de nos jours. Oui, effectivement, parce que là, ils peuvent être faciles à déménager ailleurs, là, les employés, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde les cherche. Ben oui, puis surtout, tu sais, quelqu'un de polyvalent, il y a des offres de main sur la table. Fait que, ouais. Faut que le but de mon entreprise, oui, il y a de faire de l'argent, on se mentira pas. Là. Le but d'une entreprise, c'est ça, c'est de faire de l'argent puis se démarquer. Mais pour l'instant, c'est juste de vraiment développer pour être capable de payer mes trucs puis ensuite faire de l'argent. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est vraiment de développer ça en ayant une bonne chimie. T'sais. Moi, je fais partie de l'équipe. Je ne suis pas le boss qui n'est pas là et qui n'aide pas. Je suis un employé non salarié pour l'instant. Mm-hmm. Mais je suis là puis le but, c'est qu'on ait une bonne entente, qu'il y ait une bonne, que j'accommode mes employés, que je leur offre un salaire décent puis que je veux les garder. Ah oui. Faut partir sur des bonnes bases. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le petit Julien, là. Ouais. Le petit Julien en secondaire 3, 4, 5. Ouais. Tu disais, j'ai toujours su que je voulais aider les autres. Mm-hmm. Puis t'as décidé en secondaire 5 de partir en travail social. Mais le petit Julien de 16 ans, là. Ouais. Il se doutait-tu qu'un jour il y aurait sa propre entreprise? Il espérait, mais c'était tout le temps refoulé, tu sais. C'était pas le chemin tracé. Hein. Non. Puis c'est bien malgré eux, là. Mes parents, ils ont juste du positif dans ma vie, mais tu sais, je veux dire, ils viennent d'une époque que c'était moins facile, qu'une job fallait que tu la gardes, que la stabilité c'était important, que tu sais, c'était pas les mêmes valeurs. Mm-hmm. Puis en même temps, ils voulaient mon bien, fait qu'ils voulaient que j'aille de la stabilité financière, que j'aille, tu sais. Mm. Mais ça, veux pas, c'est la société qui a fait, je crois que ça a été poussé dans ce sens-là, que le chemin tracé, c'était ça qu'il fallait faire. Puis. Mm. Étais-tu dérouté de voir que t'allais d'un côté, puis oups, t'allais de l'autre? Ben oui, oui, sauf qu'ils m'ont toujours supporté, puis ils ont toujours été fiers de moi, tu sais. C'était un peu ma crainte là-dedans. C'est pour ça qu'au début, je faisais jamais de move, là. Mm. En étant plus jeune, je parle au secondaire, au cégep. Tu sais, je me suis entêté à finir mon travail social parce que je voulais avoir un cours, mais au bout de la ligne, c'était juste pour rendre mes parents fiers, puis la société, si on veut, là. C'est pas le premier, là. Non, non. Va chercher ton papier, Julien. Va chercher ton papier, Marlène. Ouais. C'est important. Puis c'est vrai que c'est important. Mais ça veut pas dire que parce que t'as ce papier-là, que tu finiras pas dans un endroit où ce que le papier... Ouais. Mm-hmm. Puis tu sais, je pense que c'est ça. Puis je pense pas que ça soit négatif de l'avoir fait non plus pour ces raisons-là, parce que ça m'a amené à connaître plein de choses. Tu sais, comme j'ai dit au début, on travaille, on passe notre vie à travailler. Fait quand même qu'on prend des détours puis qu'on apprend à se connaître, je pense que c'est le meilleur chemin. Mm-hmm. C'est pas tout le monde, ça convient pas à tout le monde, là, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Fait. Ça, est-ce que t'avais dit ça à tes parents à cette époque-là, au cégep, à un moment donné, que, mettons, que tu doutais justement si t'allais continuer ou non, ouais? La crise existentielle en pleurant, je sais pas ce que je vais faire, c'est ça. Puis... Ben, juste en le verbalisant, j'ai bien vu qu'il allait être fier de moi pareil. Là. C'était juste de...
c'est juste que, tu sais, c'était un peu déroutant. « Oh, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire? » Ouais, c'est, pas, c'est ça. Mais... Bref, ils m'ont toujours fait confiance, puis ils ont dit « Débrouille-toi. » mm-hmm. Mais tu sais, étant jeune, je me rappelle, je suis au secondaire, ma mère me disait « Toi, tu vas avoir ta propre entreprise. » Elle l'avait deviné. Ouais. Tu vas être ton propre patron un jour. Fait que ça m'a toujours resté dans la tête, puis ça m'a poussé, ça m'a donné un peu le déclenchement, le déclic, là, quand ça a été le temps de le faire. Donc, Des fois, ce que je remarque, il y a des jeunes qui se font... une idée de ce que leurs parents s'attendent d'eux. Ouais. Dans le sens que, ils disent, ben là, c'est sûr que mes parents veulent que j'aille à l'université. T'sais, c'est sûr que mes parents, ils veulent que j'aille un job stable, justement, puis tout ça. Puis parce que, ben ils l'ont entendu, justement. Les parents disent, ouais, t'sais, en effet, c'est important. Même si, peut-être en dedans d'eux, les parents, ce qu'ils se disent, ben regarde, c'est pour faire une technique ou c'est pour faire un DEP, on va être content quand même. Ben puis, oui. Tant qu'il est heureux, on va être content. Mais le jeune, des fois, il l'entend pas nécessairement comme ça. Puis c'est comme, il va... Il y en a certains, en tout cas pas tous, mais il y en a certains, ils vont comme vouloir poursuivre puis s'entêter dans une voie qui n'est pas nécessairement la bonne pour eux, entre guillemets, parce qu'ils pensent que c'est ça que leurs parents s'attendent d'eux. Mm. Puis finalement, tu sais, des fois, il y en a que je vois, puis je dis, ben, tu sais, pose-leur la question, tu sais, fais la conversation avec tes parents, tu sais, puis peut-être que tu vas entendre autre chose. Puis il y en a après ça, des fois, me sont venus, mon Dieu, une chance que je leur ai parlé, parce que, tu sais, là, non, c'est elle m'a dit que. Maman m'a dit, ben, on le voyait bien, là, que tu n'étais pas heureuse, puis que, tu sais, t'es pas heureuse, puis que là, t'aimerais mieux aller faire d'autres choses, puis, garde, vas-y, là, c'est ça que tu choisis, puis. Ah, là, ils sont tous libérés de cette pression-là parce qu'ils ont eu cette conversation-là. Mm. Fait que, de maintenir ce dialogue-là avec notre enfant là, aussi. Hein. Oui, puis c'est dur parce que, dans le fond, on est projeté dans un monde d'adultes à 16-17 ans. Puis, en tout cas, pour moi, je parle personnellement. Là, cette pression-là, je me la mettais moi-même. J'avais l'impression que c'était ma famille qui me la mettait. Ouais. Mais en fait, c'était juste parce que je voulais... Je voulais que ce soit fier de moi. Je voulais, dans le fond, j'étais encore un enfant dans un corps de jeune adulte. Ah oui. T'as le mental d'un jeune, puis t'es projeté, puis go, go, go. Puis le système scolaire est fait comme ça aussi. T'sais. Effectivement. C'est go, 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 prends tes décisions, ton avenir, c'est là. Ça arrive vite, hein? Mm. Puis je connais personne, il y en a peut-être qui l'étaient, mais moi, je connais personne qui était prêt là, à savoir qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard, puis qui on est, là, tu sais. C'est ça, on se connaît pas. Ben, moi, je me connaissais pas, en tout cas. Dirais-tu que tu te connais maintenant? Ah oui, oh oui, 100%. Ça t'a pris combien de temps, tu dirais? Ben, ça a pris 10-12 ans, peut-être. Tout mon parcours scolaire, dans le fond, mon parcours post-secondaire, si on veut, puis mon début de jeune vie adulte. Oui. Mmh. Mais est-ce que maintenant, avec ce que tu connais de toi-même, de ton identité, est-ce que tu referais les mêmes décisions quand tu avais 16 ans, 17 ans? Oui, même affaire. Même affaire quand même, hein? Oui, parce que je pense que c'était ça qu'il fallait que je fasse. T'sais, c'était ça mon chemin pour me découvrir et me connaître. Là. C'était pas... je vois pas ça négativement, dans le fond. Mm. J'ai pas pris de retard, en fait. J'ai pris du retard financièrement, si on veut. Mais, tu sais... Et encore. C'est ça. Mm-hmm. C'est pas... J'ai 32 ans. Il me reste... Là, j'ai un bébé, j'ai un jeune qui a 2 ans, je vais avoir un autre enfant. La vie commence. Là, c'est ouais. pas, moi, je vois comme... Quand j'ai pogné la trentaine, je me suis dit, ma vie commence. C'est ça qui est... C'est de même que je le file. Je me suis pas dit ça, mais c'est de même que je le ressens. Là, mm-hmm. Je veux dire, oui, il y a des épreuves, oui, il y a du positif, il y a du négatif, il y a du stress, il y a du... Mais ça vaut la peine d'être vécu, je pense. Là. C'est ça qui est beau de mon parcours, je trouve. C'est que ça m'a vraiment... Je suis quelqu'un qui a toujours eu une grande conscience de lui-même, mais ça m'a juste permis de clarifier certaines choses. C'est toutes des valeurs ou des sentiments ou des trucs que je savais, mais que je refoulais un peu parce que pour faire comme tout le monde. Oui, conformer un peu. Oui. Ouais. Mm-hmm. Me conformer, c'est ça. Mm-hmm. Parce que c'était ça qu'il fallait faire. Mm-hmm. Mais je pense que les jeunes, plus jeunes que moi aujourd'hui, ont une plus grande liberté face à ça. Mm. Je pense que les métiers professionnels sont valorisés. Les études, un coup que tu as ton secondaire 5 pour, après ça, avoir des ouvertures sur le monde, ben là, je pense qu'ils sont plus poussés à aller découvrir ce qu'ils aiment, puis tout ça. Puis on est dans une ère où il y a de la job. Oui. Ben ça change beaucoup.
ça change énormément les perspectives des jeunes, justement, là-dessus. Alors que là, une quinzaine d'années, ben on était encore de dire, OK, ben là, c'est quoi le taux de placement? Ça va-tu... je vais-tu avoir un job là-dedans ou quelque chose? Ben là, on se la pose plus tant que ça, là, cette question-là. Ils ont quatre opportunités pour, pour le même travail. Oui. Puis, toi, Julien, est-ce que tu as eu des défis dans cette transition-là vers la vie adulte? Là? T'as-tu une anecdote à nous raconter sur comment tu voyais ça, être un adulte quand tu étais plus jeune? Puis, sais-tu comme tu pensais? Ben, en fait, au niveau de la vie familiale, oui. Je m'attendais, tu sais, je voulais avoir ma famille, ma maison, mais ici, mais ça. Ça, c'est des standards de société, mais c'est des standards que je me suis toujours mis. Tu sais, c'était un but dans la vie pour moi. Mais, tu sais, je veux dire, je pensais que ça allait se faire comme un parcours primaire et secondaire, là, facilement, les doigts d'aligner sans trop d'efforts, mais... Mm-hmm. J'ai découvert que l'effort, c'est ça qui fait ta vie, là. C'est ça qui, c'est ça qui fait que tu te découvres, puis que... Tu passes vraiment au monde adulte, là, crime. Je fais pas une parenthèse là-dessus, mais en tout cas, du pouce. Tu dis, ben, t'avais le goût d'avoir des enfants, une famille, puis tout ça. À partir de quel âge que tu t'es dit, ben, justement, j'aimerais ça être papa un jour? Ben, ça a venu, là, je vous dirais, après la rencontre avec ma blonde, je savais bien que j'allais vouloir des enfants, mais quand, au début, j'étais pas prêt. Ouais. Je me cherchais encore professionnellement. Mais tu sais, est-ce que tu avais déjà, je sais pas, moi, parlant de tes études au collégial, est-ce que tu disais déjà un petit peu dans ta tête, ben, un moment donné, que j'aille la blonde de ma vie, je vais avoir... C'est ça, je me suis dit, je le savais, c'était ça mon but, puis je le savais, c'est juste que là, j'étais pas dans ce bode-là. Non, c'est ça. Sauf que je me suis dit, dans la trentaine, début trentaine, fin vingtaine, aller jusqu'à mi-trentaine, là, je veux des enfants. Oui. Ça, c'est drôle parce que quand je me ramène à ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise, je l'avais faite sur les conflits travail-famille. C'est comme l'inverse de la conciliation, là, dans le fond. C'est quand on vit un conflit entre la famille puis le travail, puis la différence entre les genres. Donc, entre les hommes et les femmes, de quelle façon est-ce qu'ils vivent ça? Est-ce que les femmes vivent plus ces conflits-là que les hommes? Puis tout ça. Puis dans les faits, les deux les vivent à peu près autant. Comme tel, ces conflits-là, travail-famille. Il y en a que c'est la famille qui va interférer dans leur travail. Puis... Ça, c'est plus les hommes qui le vivent comme ça, si je me souviens bien. Sinon, ben, c'est plus l'inverse. C'est le travail qui va plus interférer dans la vie de famille. Mais t'sais, c'est toute la façon qu'on le voit. Mais bref, ce que je veux en venir avec ça, c'était que c'était dans l'importance de dire, ben, quand on considère les projets futurs des jeunes... des fois, on va penser au feed, justement, de dire, quand tu vas avoir... Est-ce que tu penses avoir des enfants plus tard? Comment est-ce que tu vas vivre ça avec ta carrière? Puis on pense pas nécessairement de le demander aux garçons. OK. On demande aux filles, tu veux-tu avoir des enfants plus tard? Ouais, c'est ça, tu sais, dans ton projet de vie puis tout ça. Puis, tu sais, on le demande peut-être moins aux garçons ou, tu sais, on les amène moins à réfléchir peut-être à ça quand ils font leur choix de carrière pour plus tard. C'est ça, alors que eux autres aussi peuvent vivre ce genre de conflit-là à ce moment-là, puis que dire finalement, justement, travailler à Fermont, faire des 14-14 avec un bébé, c'est un gros défi. Il y en a qui le font, mais c'est pas idéal. Il y en a qui le font. C'est ça, exact. Puis toi, t'avais pas envie de le vivre comme ça? Non, parce que tu sais, étant quelqu'un de. Qui aime les gens, justement. J'aime les gens, j'aime l'humain, j'ai toujours voulu être un papa présent. Puis moi, c'est important pour moi de m'impliquer dans la vie familiale. T'sais, c'est pas chacun ses rôles, puis la femme fait ci, l'homme fait ça. T'sais, je veux m'impliquer, puis me donner le temps de le vivre aussi. Oui, à la vie, là, on parle beaucoup de la vie professionnelle, mais la vie personnelle, je pense que c'est important de la vivre à 100% aussi. Puis quand t'es pas là, ben tu le vis pas. T'sais, c'est un peu ça qui est difficile un peu des fois avec l'achat, mais en même temps, c'est à côté de chez nous, puis c'est à moi. Fait que l'horaire est plus flexible, c'est plus facile. Là, si la garderie est fermée une journée, t'as cette liberté-là quand même peut-être de... Ouais, de fermer ou non, t'sais. Ouais. Des fois, je l'ai pas la liberté parce que c'est quand même l'argent de mon mois. Ouais. Mais bref,
c'est quand même plus facile parce que c'est moi le patron, j'ai moins de comptes à rendre. Mm-hmm. J'ai des comptes à rendre à mes employés, pareil. Ils ont une vie, eux autres aussi. C'est important qu'ils ne chamboulent pas tout leur horaire parce que toi, tu as décidé que tu fermais. Là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plus facile d'agencer ça, là, de concilier travail-famille, justement. Mm-hmm. C'est quoi l'affaire la plus trippante pour toi d'être un adulte? Hey, c'est la confiance, l'autonomie, les défis. Même quand c'est difficile, là, tu sais... Il y a des journées que c'est stressant, il y a des journées que je pleure, il y a des journées, tu sais, mais c'est je pense que c'est de le vivre qui me fait triper. C'est ça qui me drive, la passion, le challenge. Je suis quelqu'un qui vit au challenge, puis à l'adrénaline. J'ai tout le temps besoin, puis c'est pour ça que je foirais, puis j'ai bien aimé ma vie de jeunesse. Là. Mm-hmm. J'adore, c'est ça, je capote, là. J'aime ça me drive, puis c'est ça qui fait que, tu sais, j'étais un peu... ésotérique, enfin, ça soit pas ésotérique, là, mais je pense que le moment présent, puis le fait de vivre ça, tu le vis juste une fois ta vie adulte. Là. Oui, on est occupé, il faut courir d'un bord puis de l'autre, mais c'est ça qui est beau, il faut en profiter puis le vivre parce que la fin, elle vient vite. Mm. Quand même. Tu vois, le temps passe vite quand on est un adulte. C'est, hein? Fait que c'est ça, c'est de profiter de chaque. De pas hésiter, tu sais, comme là, je suis là au podcast, c'est tous des trucs. C'est rare que je dis non à quelque chose là, qui permet de me dépasser ou de me driver ou d'essayer des nouvelles choses. Mm-hmm. Oui, parce que si tu as changé souvent de chemin, c'est parce que peut-être tu as su reconnaître des opportunités. Oui. Ouais. Dirais-tu que c'est toujours... Oui, mais ouais. C'est souvent ça, sauf que tu sais, là, j'ai pas l'impression... C'est sûr qu'on connaît pas l'avenir, mais tu sais, je sais que je suis sur mon X, tu sais, j'ai pas de doute quant à la continuité de l'entreprise, tu sais, je sais pas au niveau financier si un jour ça peut avoir être encore plus difficile ou mais bref, je sais que je vais m'en sortir pareil puis que ça va, c'est chaque chose en son temps, sauf que je sais que c'est ça que je veux faire, c'est un leg pour mes enfants, c'est mon fonds de retraite, c'est mon, moi c'est ma façon de le faire, j'ai jamais choisi le chemin facile, à part au secondaire puis au cégep un peu là, mais pas c'est ça. C'est ma vie, c'est ça. C'est le chemin difficile, mais c'est ça qui me fait triper. Est-ce que tu crains qu'à un moment donné, tu vas te tanner? Non. Ça? Non? Non, j'ai pas cette crainte-là. Je le sens en dedans de moi. C'est ça qui me drive. J'ai juste envie... C'est clair que je resterai pas là, par exemple. Tu sais, je vais... Là, ça va être ça pour à moyen-long terme. Ben, court-moyen terme, plutôt, mettons, encore 5 à 6, 7 ans. Mais tu sais, j'ai des projets, là. Tu sais, je veux upgrader, je veux avoir une classe C1 pour permettre de vendre ou de transformer plus de produits, faire du fumoir, parce qu'à travers de ça, j'ai la chance d'avoir une employée qui est cuisinière de formation. En tout cas, bref, tu sais, j'ai plein d'idées. Tu vas la faire évoluer, là, ton entreprise, en fond. C'est, hein, ça. C'est ça. Aller chercher d'autres avenues, d'autres challenges. Ça, c'est ça. Ouais. Peut-être plus le pied sur le frein, tu sais, moins d'investissement qu'au démarrage, mais... Tu sais, chaque chose en son temps. Là. J'ai atteint une maturité face à ça. Là. Si, tu sais, je veux dire, là, j'ai plus le choix, j'ai des enfants. Puis j'ai, je veux dire, j'ai ma vie, ma priorité, c'est mes enfants, ma vie de famille. Fait que je mettrai personne dans le trouble pour vivre mes passions. Là. Sauf que je vais vivre mes passions pareil avec des projets, mais à plus petite échelle, tranquillement, pas vite. Oui, puis ça te convient. Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, sinon, il y a d'autres moyens de me driver. Là, tu sais. Je fais des voyages de chasse. Là, tu sais, là, je m'en vais au dindon sauvage 3 jours de temps au mois, à fin avril. Tu sais, c'est des... Il y a d'autres moyens de me driver puis de vivre l'adrénaline que par changer de job. Là. Oui, c'est vrai. C'est là je me connais, puis j'aime ça, puis je sais que ça va être ça. Mm. Mais sauf qu'il faut quand même que j'aille d'autres projets au niveau personnel parce que c'est ça qui me drive. T'as-tu d'autres passions? Ben, il y a le plein air en général, là. La chasse, la pêche, marcher dans le bois, des passions, j'en ai plein. J'aime le hockey, j'aime les voyages. Je voyage pas assez à mon goût, mais un jour ça viendra, je vais avoir le moyen de le faire aussi. Certainement. Puis, est-ce que, tu l'as un petit peu mentionné au cours de ton témoignage, de ton parcours, que t'as pas de regrets, que t'as appris tout au long du chemin, puis que tu referais de la même façon. Y a-tu des affaires que, tu sais, un exemple concret de quelque chose que t'as appris, soit en travail social, soit à Fermont, soit dans tes jobs d'été, qui te servent encore aujourd'hui, puis tu dis, ah, grâce à ça, même si je fais plus ça maintenant, ben je m'en sers encore aujourd'hui. Oui, ben en fait, tout ce que j'ai fait professionnellement, ça m'a servi. J'ai un exemple
pas mal sûr pour chaque chose. Tu sais, dans le fond, mon travail aux cuisines gaspésiennes comme étudiant, c'était dans le domaine de la boucherie un peu, tu sais, c'était... Tu sais, veux pas, il y avait de l'emballage à faire, il y avait de la préparation, du slicage, du trimballer, tu sais, jouer dans la viande. Ça m'a servi. J'ai trippé sur ce travail étudiant-là. Malgré que là, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas payant, c'était travail d'usine, en tout cas. Bref, ça m'a servi. Le travail social, ça m'a juste permis de me connaître mieux, de m'analyser mieux, d'être plus près de mes émotions, celle-là des gens, savoir faire la différence entre les miennes et celle-là des autres. T'sais, ça m'a appris plein de choses au niveau personnel. Ça a été plus au niveau personnel. Ouais. Puis en sachant très bien que j'aimais le monde, mais mon but dans la vie, je pensais que c'était d'aider les gens, mais c'est pas vraiment d'aider les gens. Oui, c'est d'aider les gens, mais c'est de leur offrir un service. Mm-hmm. Ou une expertise, ou être un genre de coach. Wow. Ça, mon service de guide, ben, mon travail de guide m'a aidé là-dedans, beaucoup. J'ai compris que le PR, c'était ma force, puis le travailler avec les clients en tant que tel. Puis en plus, puis la passion de la chasse, elle m'a appris que j'aimais jouer dans la viande. Puis en général, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Fait que tout ça m'a servi, même l'usine, là. Il y a Fermont qui m'a moins servi, à part que j'ai appris que je voulais pas être loin de ma famille. T'sais. Ouais, mais quand même, c'est quand même une grosse leçon de vie. Puis que ben oui. J'étais malheureux en usine. Ça m'a juste. Ça a été le dernier crash down. Mm-hmm. Puis sinon, Panval, ben Uniboard, ça m'a servi. Là, plus au niveau manuel, tu sais, j'ai appris... Encore là, oui, j'apprenais des choses, mais j'ai appris à me servir plus de mes mains, même si c'était pas un travail tant physique. Là, ça m'a donné une confiance plutôt au niveau manuel, là, mm-hmm. que j'étais capable d'apprendre des trucs manuels. Fait que là, je l'apprends là, par YouTube, par des proches, décider. Je vais chercher des forces de chacun. Puis tout ça te sert dans ce que tu fais tout aujourd'hui? Tout a servi, puis ça sert encore. Puis en même temps, ça m'a appris... Ça m'a appris des choses concrètes comme ça, mais ça m'a appris à me connaître mieux aussi, au niveau moins concret, si on veut. Mm-hmm. Mais ça, c'est quelque chose, quand on devient un adulte, j'ai l'impression, tu sais, on se pose beaucoup la question dans le podcast. Je crois que c'est une des affaires qui fait vraiment la différence, c'est la confiance. Mm. Tu dis, quand tu es un adulte, tu sais plus qu'est-ce que tu fais, puis tu penses plus que tu t'enlignes dans la bonne direction. Toi, tu te connais mieux, tu as plus de connaissances, de compétences, puis... Ouais, c'est ça, tu développes une confiance. En tout cas, moi, ça a été ça, j'ai développé une confiance en moi que j'aurais pu avoir au départ, tu sais, j'avais confiance en certains moyens, mais tu sais, quand t'es jeune, t'es plus fragile, t'es plus... tu te connais pas, fait que tu sais pas trop. Mais c'est normal, on n'a pas vécu. C'est ça. Puis je sais pas pour toi, Julien, mais moi, personnellement, je pensais que je le savais. Moi, tout, je pensais que je le savais. C'est plus en regardant vers le passé, tu te rends compte, « Ah, mon Dieu! » Mais en fait, non. Non, c'est ça, pas pensé. Ben, tu sais, c'est normal, c'est le manque d'expérience. Je vois ça... On sait pas qu'on sait pas. C'est ça. Mais je vois ça comme un animal, tu sais, un animal qui apprend avec sa mère. Au début, il est maladroit, puis il fait n'importe quoi, mais dans sa vie adulte, c'est là qu'il prend son envol. C'est juste que nous, c'est plus long. Puis on vole peut-être pas toujours super droit là, au début, là, quand on commence à battre de nos propres ailes. Non, puis tu sais, personne n'est parfait. Là, j'ai pas la prétention d'être parfait, pis d'avoir une confiance tout le temps au top. Mais sauf que la confiance essentielle, je l'ai. J'ai appris à me connaître, puis je sais où ce que je m'en vais. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai des défis comme tout le monde. Puis c'est ça qui est important que les jeunes sachent aussi dans leur parcours, c'est que c'est normal de se planter. Quelque chose que j'avais pas vécu beaucoup dans ma vie, ça, des échecs. Des échecs, ouais. Ouais. Puis c'est ça. Dans la vie adulte, j'ai appris à connaître des échecs. Mais en étant plus que ça avance, plus que je vis bien avec les échecs à cause de ça. Mais sauf que c'est ça. Je pense que le système n'est pas fait pour faire vivre des échecs aux jeunes non plus, tout dépendant de comment tu es. C'est intéressant, ça. C'est quelque chose qu'on entend des fois, là. Puis ça fait quelques années, j'écoutais un vieil épisode des Simpsons où justement il disait. Je pense que. Lisa gagnait des trophées, hein? C'est le personnage de Lisa Simpson. Puis là, tout le monde dans sa classe recevait un trophée de participation. Puis c'était un vieil épisode des années, là, 90-2000. Ah, ça commençait, oui. À ce moment-là. Ouais. Fait que ça, c'est tout autre chose aussi, tu sais. Là, on n'ira pas sur le débat de société, là. Non, peut-être mais la réforme scolaire. Ouais. Es-tu de la génération du complément d'objet direct ou... Complément d'objet direct, tu parles de la réforme scolaire? Oui. Ben non, mais j'ai été épargné par ça une année avant. Oui, ça, j'allais dire PPO ou SEC. Non, c'est ça. Ah, OK. Moi, sur l'instant, c'est comme ça que je détermine l'âge du monde, je demande PPO ou SEC. Donc, j'avais de l'économie,
Ouais. J'avais de l'histoire et de la géo. J'avais pas du monde contemporain. Ouais, non, moi non plus, j'ai pas connu le monde contemporain. Ça a l'air le fun, par exemple. Puis quand tu coulais, tu coulais. Ouais. Ouais, ça c'est une autre histoire, effectivement. Mais tu sais, c'est drôle, on parle de ça, ça l'a amené, ça amène toute l'aide qu'on apporte, on va dire comme ça, aux jeunes, aux secondaires, ça amène plus de jeunes qui sont diplômés, plus de jeunes qui arrivent au cégep aussi. Ouais. Puis là, des fois, au cégep, c'est là, ça commence à être un petit peu plus difficile, là. C'est la petite drop, la petite débarque, elle se prend un peu là. Là. C'est comprenable, tu sais. Je veux dire, juste à mon époque, puis la tienne, on n'avait pas de... Où la tienne? On n'avait pas de facilité, tu sais. Je veux dire, on n'avait pas tout cuit dans le bec non plus. Ah, tu vas passer même si t'échoues. Sauf que c'était, tu sais, je veux dire, là, c'était pas la vraie vie. Là. Moi, j'ai aucun... J'étais chanceux, là. J'apprenais vite, puis j'étais bon à l'école, là. Aucune misère, puis aucun effort. Là. Allez, go. Puis quand j'arrive au cégep, j'ai pris... il a fallu que je me réajuste parce que c'était pas le même... c'est vraiment là, tantôt, tu posais la question. Je pense que c'est là que le clash s'est fait. C'est que là, je suis un adulte, mais je suis trop jeune pour être un adulte. C'est là que j'ai compris que c'était pas facile, puis que c'est là que j'ai vécu mes premiers échecs là, au cégep. Ouais. C'est ça, parce que... Puis des fois, je remarque que c'est... Ben, tu sais... Dans la gang qui ont de la misère, là, t'as ceux-là qui ont de la misère depuis longtemps, qui demandent des difficultés d'apprentissage, puis tout ça. Puis t'as ceux-là où est-ce qu'ils ont toujours trouvé ça facile au secondaire, pas plus vaillant qu'il faut dans leur étude, puis tout ça, qu'ils n'en ont jamais eu besoin. C'est ça. Puis là, ben, ils arrivent au cégep, puis là, il y a des travaux à faire, des devoirs, de la planification dans le temps. La session qui dure 15 semaines plutôt que... Ouais. Une année complète. La mi-session arrive super rapidement. Où là, c'était vraiment toute une autre affaire. Ça demande énormément dans la planification, tu sais, dans tout ça. C'est ça. Ce que j'ai pas appris, puisque j'avais pas. Ce que tu n'avais pas à ce moment-là. Ouais, là, j'ai pas le choix d'être plus ordonné, là, mais je suis quand même pas le roi de l'ordre. Tu sais, je suis quand même pas le roi de la planification, de l'organisation. C'est pas le côté de l'entrepreneuriat qui me fait triper la paperasse. Là. Mais j'ai pas le choix. Puis chanceux, ben, parce que mes employés sont bons là-dedans aussi, ils sont bonnes là-dedans. Ils me ramènent dans un cadre, ma blonde est bonne. Ça m'aide beaucoup. Puis j'ai pas le choix, fait que je le fais. Là. Mais au cégep, là, c'est une méchante drop. Je pense qu'on n'est pas assez préparé à rentrer au cégep. Là. C'est comme, ah, tout est rose, tout est beau. Ah, wow, bravo, t'as fini ton secondaire, paf. Te voilà dans la fosse au lion. Mais pourtant, en même temps, c'est une nest. T'étais-ce pas une super période aussi? Ah oui, super période, c'est sûr, mais ça dépend, tu sais, quand t'es habitué de vivre des échecs, que t'as pas été tout le temps mis sur un piédestal, tu sais, je veux dire, c'est... J'imagine que la transition au niveau des échecs est plus facile un peu. Ouais, peut-être. Tu sais, là, c'était comme tout beau, tout rose, puis c'était le monde de licorne au secondaire, pour ma part, hein. C'était comme... Ouais. Fait que j'ai rentré là, ouf! C'est là, faut que tu sois... J'étais veillant, mettons que je travaillais dans l'usine l'été, là, mais j'étais au niveau des études, j'étais complètement laissé aller et j'avais de la facilité. Fait que oui. Puis là, ben, à cet âge-là, non plus, les parents aussi, ben, ils laissent un petit peu plus leurs jeunes hein, voler de leurs propres ailes. Fait que c'est certain. Là. C'est un méchant gap. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi. Oui. T'as raison. Puis finalement, as-tu une anecdote aussi à nous raconter sur. Peu importe ce qui fait de nous un adulte en dehors du travail. Quelque chose qui t'a surpris peut-être ou que tu n'avais pas pensé auparavant, que ce soit vivre en appartement, s'acheter une maison, décoller une famille. Ben, c'est la valeur de l'argent, en fait. Là. C'est encore relié au travail, là, mais c'est si bon. Là. Être un adulte, il faut penser à l'argent. Il faut penser à l'argent. Puis ça, c'est quelque chose qui me... En même temps, tu sais, oui, là, ça me drive dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, ça me pue un peu au nez, tu sais, je sais pas. Je trouve un peu que c'est vide comme valeur, l'argent, mais t'as pas le choix, tu sais. Ça fait partie de la game, là. Tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, ça se fait pas, malheureusement, mais c'est ça. Ça me parle ce que tu dis, parce que c'est une réalisation un peu comme, ah ouais, vraiment, là, faudrait que je sois organisée puis responsable avec mon argent, mais c'est plate. Je veux ça vivre d'argent, d'amour et d'eau fraîche, mais ça fait partie de la game. Moi, c'est pour ça que je le vois à moyen-long terme. T'sais, je rattrape du retard que j'ai pris, mais c'est ça ma vie. T'sais, j'en suis pas gêné non plus. C'est...
J'ai pris un peu de retard à ce niveau-là, mais tu sais, je veux dire, je sais que le positif s'en vient, puis... Mm-hmm. Mais ça a été une bonne, un bon apprentissage. Tu sais, sors de l'école, ouh, achète un char neuf, c'est pas... Mm-hmm. La vie, c'est un apprentissage, là, c'est atroce. On l'apprend à la dure, là, mais c'est ça. C'est ça qui est beau aussi. Oui, c'est vrai que c'est beau. J'étais tellement fière là, quand j'étais allée m'ouvrir mon CELI, là, puis je suis sortie de la banque. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement un adulte, j'ai un CELI. Je suis un adulte. Je tenterais, en tout cas, de le devenir. C'est niaiseux, mais j'étais fière. Parce que c'était pas ma force non plus, là, le... Comme toi, là, ça allait super bien au secondaire, pas besoin de donner des efforts. T'es intelligente, Andréane, tu vas aller loin, t'es intelligente, puis là, t'arrives beaucoup au cégep. Beaucoup valorisé comme ça aussi. Oui, ouais, mais t'avais pas... en dehors des heures de classe, t'avais pas à donner trop plus d'efforts que ça, alors que le cégep, c'est différent. Fait que ça n'a pas été tout cuit dans le bec, puis j'ai décanté un petit peu. moi, c'est drôle, ça a été le contraire. Oui? Parce que je suis allée dans une école internationale. Fait que le sens de l'effort et du travail, je te levais, elle faisait des devoirs jusqu'à 10 heures le soir très régulièrement. Puis moi, c'est en arrivant au cégep que, oh mon doux Seigneur, c'est les vacances. Ouais, c'est assez bon. Oui. Oui, oui. Ça a été vraiment très. J'imagine. Ah, ouais, ben, tu sais, là-dessus, il y a des affaires que, tu sais, comme en français, par exemple, qu'on apprenait que moi, je savais depuis secondaire 4, puis j'étais un petit peu sous le choc de voir que, oh, faut que je réapprenne la poésie. Ben, écoute, je savais déjà ça. mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, cette transition-là était pas du tout la même là, à ce moment-là. Là. Mais moi, je le croyais juste pas parce que moi, j'étais en anglais intensif. C'est ça, en secondaire? Ouais. Mm-hmm. Puis on m'avait dit, c'est plus de travail, ça va exiger des travaux, puis ça... T'sais, mais au secondaire encore. Ouais. Mais on me l'avait déjà dit, ça. Attention, tu sais, je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais à l'époque, tu faisais ton examen de secondaire 5 en anglais en secondaire 3. OK. Moi, c'était ça. OK. Fait que j'avais déjà mon secondaire 5 juste en anglais, en secondaire 3, puis t'allais plus loin en anglais. Puis c'était le fun, là, aucun regret. Mais on m'avait averti, attention. Fait quand on m'avait dit, attention au cégep, tu vas voir, c'est différent, je l'ai comme pas cru pendant longtemps. Je l'ai pas... Puis je pensais que j'étais plus intelligente que le système, je sais pas ce qui m'a pris, mais que, fait que j'avais pas envie, là. J'avais plus envie de faire le party le soir que de faire mes travaux, alors que j'aurais peut-être dû, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Ouais, mais c'est ça. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu crois, là, avec toute ton expérience que tu as eue, qu'est-ce que tu veux que ton enfant ou tes enfants retiennent au bout du compte? Tu sais, quand ils vont arriver là, à 15-16 ans, là, quel genre de leçon tu vas leur... Ben, très bonne question, puis c'est ça le nerf de la guerre, je pense. Puis c'est la chose à laquelle je pense le plus en pensant à mes enfants, mon enfant présentement, mon futur enfant, parce que bref. Mm-hmm. Je veux juste qu'ils soient heureux. T'sais, je veux pas qu'ils se cassent le bécic, je veux pas qu'ils... C'est sûr qu'ils vont avoir des échecs, ils vont avoir des stress financiers, ils vont avoir des... Ben, le but aussi, c'est qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça que je suis entrepreneur et que je veux pousser ça et que je sois à l'aise financièrement. Mais je veux qu'ils soient heureux. T'sais, peu importe ce qu'ils font, peu importe... je suis pas extrêmement de gauche sociale, extrême gauche, si on veut. Là, mais sauf que je suis quand même un gars très ouvert d'esprit. Puis je veux qu'ils, peu importe leurs décisions, leurs choix de carrière... Je veux juste qu'ils soient heureux. Je veux pas qu'ils se cassent la tête avec des trucs, puis faire plaisir aux autres, puis essayer de fitter dans un moule. Je veux juste, quand ils ont de quoi, qu'ils viennent me le verbaliser, puis que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'appréhension, qu'il n'y ait pas de perception. Je veux pas leur mettre de pression. Malgré nous, on le fait pareil. Là, je veux dire, ah bravo, Eliott, t'es bon. Ah bravo, ah, t'es donc ben bon. Sauf que je veux les valoriser, mais je veux quand même qu'ils aillent... qu'ils soient conscients que le monde, c'est pas tout rose, tout beau. Mm-hmm. Puis qu'il va falloir qu'ils prennent des décisions, mais que je vais toujours respecter leurs décisions, puis je vais être là pour les appuyer. Ouais. C'est ça, le principal. Mm. C'est ça, l'essence d'un parent. On veut les préparer à la vie. Je pense que oui, tu sais. Puis il y a personne qui fait parfait, puis il y a personne qui a... Ben, il y en a, oui, là, mais généralement, le monde n'a pas de mauvaises intentions en ayant des enfants. Mais moi, le plus important, c'est qu'ils soient libres, puis qu'ils soient heureux. Parce que moi, ça vient me chercher, c'est ça qui... Je veux pas qu'ils se mettent de pression comme je m'en ai mis. Mm-hmm. Puis des fois aussi, de dire que
que de découvrir c'est quoi qui nous rend heureux, ça peut prendre un petit peu plus de temps aussi. Exactement. Mm-hmm. Mm. Puis que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu sais, c'est ça, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. C'est ça, pareil, la vie. Tu sais, c'est avec les échecs, mais pas juste les échecs, c'est avec les expériences de vie que tu apprends à te connaître, puis que tu développes des capacités, que tu... C'est ça le chemin de la vie, tu sais. Mm. Mais juste qu'ils trippent aussi en le faisant, tu sais, c'est pas... qui profite de chaque instant, même si c'est pas tout le temps positif, mais qui en profite pareil, tu sais. Mm. Ils vont apprendre quelque chose. Wow! Ben, sur ces belles paroles, Julien, merci d'avoir participé au podcast. Merci à vous autres, c'était le fun. J'espère que tes enfants vont pouvoir t'écouter. J'espère. Oui, puis regarder comment il était beau quand il était jeune, papa, wow! La trentaine, la belle jeune, mais à 40, ça va être pire. Merci, Julien. Merci à vous autres, c'était vraiment agréable, j'ai aimé ça. Super, merci Marlène. Merci Andréane. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast. Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale.